Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Fécafoot en ébullition. La guerre des statuts dévoile les failles du football camerounais. La vérité est comme le soleil, on peut la cacher un moment, mais elle finit toujours par briller. Elvis Presley, le football camerounais secoué par une nouvelle tempête, une affaire de statut, de principe et d'égos. Le football camerounais, cette passion nationale qui transcende les générations, est une fois de plus au cœur d'une controverse brûlante. Cette fois-ci, la Fédération camerounaise de football, Fécafoot, se retrouve dans l'œil du cyclone. Le protagoniste principal, Abdourahmane Amadou Baba, un nom bien connu dans les cercles de gestion sportive. Et son contradicteur, Dr Niamsi, tout aussi flamboyant et incisif dans ses propos. Pour comprendre cette nouvelle polémique, il faut remonter aux racines du débat, la question des statuts de la Fécafoot. Amadou Baba, autrefois chantre de l'indépendance de la fédération vis-à-vis du gouvernement, semble aujourd'hui adopter une posture diamétralement opposée, sollicitant l'arbitrage du ministère des Sports, MINSEP. Ce revirement n'est pas passé inaperçu. Il a été immédiatement pointé du doigt par Dr Niamsi, qui s'est empressé de réagir avec une lettre ouverte teintée de sarcasme et de perplexité. Un duel de titans, ou de convictions. Dans sa réaction publique, Dr Niamsi n'a pas mâché ses mots. Hier, il était David face à Goliath, le gouvernement. Aujourd'hui, il invite Goliath à la table pour partager le pain. Quelle métamorphose, écrit-il, ni agacé, ni amusé. Cette comparaison biblique, bien que humoristique, illustre une certaine frustration face à ce qu'il considère comme une incohérence flagrante. L'échange ne s'arrête pas là. Dr Niamsi soulève également une question qui dépasse les simples querelles de personnalité. Quand un acteur n'est plus associé à la gestion d'une structure, doit-il forcément devenir un opposant? Ce questionnement, qui semble s'adresser directement à Abdourahmane Amadou Baba, résonne comme une critique implicite d'une habitude devenue courante dans le paysage camerounais. La Fécafoot, une arène de gladiateurs. Avec cette affaire, on ne peut s'empêcher de se demander si la Fécafoot est une organisation sportive ou une arène où les égos s'affrontent à coups de déclarations et de manœuvres. Le parallèle avec une telenovela n'est pas exagéré, chaque épisode apporte son lot de surprises, de rebondissements, et parfois même de drames. Les Camerounais, grands amateurs de football, suivent ces querelles avec un mélange de fascination et d'exaspération. On veut juste regarder des matchs, pas une série télé, ironise un internaute sur les réseaux sociaux. Un débat aux enjeux multiples. Derrière les échanges de piques et les critiques personnelles, se cache un enjeu bien plus sérieux, l'avenir du football camerounais. Les statuts de la Fécafoot ne sont pas un simple document administratif. Ils définissent les règles du jeu, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Dr Niamsi rappelle avec insistance que ces écrits doivent servir de boussole pour les générations futures. Il critique Amadou Baba pour ce qu'il considère comme une instrumentalisation des principes. Les écrits restent, les paroles s'envolent, mais apparemment, chez certains, même les écrits prennent des ailes. Lance-t-il avec mordant. Les auditeurs de Audience Cameroun réagissent. Cette affaire n'a pas manqué de susciter des réactions parmi les auditeurs de Audience Cameroun, la chaîne qui informe, analyse et éclaire sur les grandes questions nationales. Dans une émission spéciale, plusieurs intervenants ont partagé leur avis, entre indignation et incompréhension. On a besoin de plus de transparence. Trop de zones d'ombre dans la gestion de notre football, commente un auditeur. Un autre ajoute, non sans ironie. Avec tout ce drama, on devrait peut-être vendre les droits télé aux producteurs de séries Netflix. Un appel à l'apaisement et à l'avenir. Au-delà des polémiques, l'heure est venue de réfléchir à des solutions durables pour le football camerounais. Les querelles intestines et les batailles d'ego ne feront que miner la confiance des supporters et ternir l'image du sport roi. Dr Niamsi conclut son message sur une note de réflexion,
La cohérence et la transparence sont les piliers de toute grande institution. Si nous voulons bâtir un football camerounais respecté et prospère, il est temps de laisser nos querelles de côté. Pourquoi s'abonner à Audience Cameroun ? Pour ne rien manquer de ces débats palpitants et des enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun, abonnez-vous à Audience Cameroun. Votre source fiable pour des actualités éclairées, des analyses pertinentes, et un regard sans concession sur les grandes questions. Restez informés, restez connectés, restez curieux. Que ce soit pour suivre les coulisses du football ou d'autres sujets majeurs, une seule adresse, Audience Cameroun, là où l'information rencontre la passion. En conclusion, un enjeu qui dépasse les querelles individuelles. En conclusion, cette polémique autour des statuts de la FECAFOOT met en lumière des fractures bien plus profondes que les simples désaccords entre Abdourahmane Amadou Baba et Dr Niamsi. Elle révèle un problème structurel dans la gouvernance du football camerounais, où les intérêts personnels semblent souvent l'emporter sur le bien collectif. Si cette dynamique perdure, elle risque de freiner l'évolution d'un sport qui, pourtant, unit une nation entière. Cependant, au-delà des critiques et des accusations, cette affaire offre une opportunité unique de réévaluer les fondements même de la gestion du football camerounais. Les parties prenantes doivent saisir cette occasion pour instaurer des mécanismes de transparence et d'équité, afin de garantir que les institutions sportives servent véritablement les intérêts du football et des supporters. Dr Niamsi et Abdourahmane Amadou Baba, bien que divisés par leurs opinions, partagent une responsabilité commune, celle de préserver et renforcer le football camerounais. Plutôt que de prolonger des querelles publiques, un dialogue sincère pourrait ouvrir la voie à des solutions durables et bénéfiques pour tous. L'avenir du football camerounais ne doit pas être otage de luttes intestines, mais plutôt porté par une vision collective. Enfin, pour nos fidèles auditeurs, Audience Cameroun demeure votre partenaire privilégié pour comprendre les enjeux complexes qui façonnent notre nation. Abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité et pour suivre chaque rebondissement de ces affaires captivantes. Ensemble, faisons du football une source d'unité et de fierté pour le Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.